Hello. Welcome back to my channel, Féroline, la fille de Dieu. Féroline, la fille de Dieu. Grâce à celle, toutes tes grâces. L'eau les offre à Dieu, nous fait grâce. Bienvenue de nouveau sur ma chaîne YouTube, Féroline, la fille de Dieu. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, Féroline, la fille de Dieu TV, et likez et mettez vos commentaires. Donc aujourd'hui, je suis venue rendre visite à notre sœur Natacha. Donc elle ne sait même pas que je suis là, donc elle va me voir directement surprise. Donc on dit à tout à l'heure, on y va, on va les voir. Voilà, je suis arrivée, je veux rentrer, je viens de voir ma sœur Natacha. Donc elle est en train de nous préparer les brochettes. Bonjour ma sœur. Bonjour, elle a fait rien. Ça va? Ah, na côté les bris c'est mon nom, la n'a pas été donc on a mis la brochette. Donc voilà. Vous avez vu les brochettes là? Là c'est les brochettes de Tata Natacha. La spécialité des mamans Natacha. Ça c'est ma spécialité. Le Kamundélé, autrement dit comme au Congo, Kamundélé. Kamundélé. Ah oui. En plus là tu les fais beaucoup, hein. Tu les fais beaucoup là. Ah oui, il faut beaucoup. Moi j'aime bien manger. Et là, on a été bloqué à moitié. C'est pas faut balayer. Ouais. C'était balayer mon côté. Tu connais un Kamundélé Sili? Non, j'aime pas ça. D'accord. On a maintenant ça lié à ton petit qui s'y va porter. Ah. Il ramène. Et en plus, maman Natacha, tu nous as préparé avec quoi? Viens ma soeur, en fait on va montrer aussi. Maman Natacha là, elle nous a préparé. Tu nous permets, en fait on va voir. Ouais. Hein? Regarde. Là vous avez vu ma dessous. Haricot rouge. Haricot rouge vraiment. Et là aussi maman Natacha est en train de préparer poulet. Donc poulet mayo. Aujourd'hui, maman Natacha, comment tu as fait pour au chocolat poulet là aujourd'hui? Pour le chocolat poulet, là, on a le chocolat mine poulet, là, on a le vinaigre blanc. Oui. Pour le laser et puis le l'eau chaude. Et ça après, je lave bien, j'enlève bien le. Comment on appelle ça, je ne sais pas. Ma plume, hein. Et puis il y a les petits. Je ne peux pas dire poils parce qu'il y a les. Vas-y, la Mickey, là, voilà, je ne sais pas comment on appelle ça. Voilà, donc on la montre très bien, la boule n'a pas l'olive. Je ne sais pas, elle est venue en retard, j'avais déjà lavé. Oui. On sait qu'elle est une bande, elle est vraiment dans la salle. Donc, naïe brise mon balamor quand ici que maman Natacha n'a pas assez non ça la télé réalité naïo donc à bande avec la ma brochette il y a qu'à ça non il y a un gamoko sans caméra donc quand il y a une caméra paye il y a donc surprise balamor il y a un gars là mais surtout là ma brochette donc on va les ramasser tout à l'heure les brochettes et ma dessous maman Natacha là mes bisous donc je vous montre encore bon moniteur ma dessous mon bisou au cas où cas ma dessous est rouge. Et là, on a poulet, on sait ce poulet mayo. Donc, poulet mayo. Donc, maman Natacha, va conseiller, on va conseiller à repérer ça. Oui. On va célibataire, on a un goût de bosso. Bissot, déjà, moi, j'ai fait 16 ans de mariage. Il n'y a pas qui c'est dans la montée. Il y a deux choses. Il y a la soumission d'abord. La femme doit être soumise, il y a respect, comme l'a dit la Bible. Femme soyez soumise. Et deuxième des choses, la femme faut croire au lamba. Vous serez au lamba, pour éviter d'appeler trop tard. Tu peux apprendre parce que moi aussi j'ai appris. Je n'ai pas appris certainement pas seulement chez ma mère, hein, parce que ma mère elle prépare aussi bien. Mais là tu vas brocher toi, il y a que l'on peut ça, ça fait. Il y a mon art. Il faut demander aussi, va nous soit dans la qui place, mon balai, l'eau, mon pas écoute bien. Elle laisse comme ça, c'est au début que l'eau va aller au salon, on te mouline à salon, on vient, tu peux demander comment tu as fait ça. C'est pas un péché. C'est comme ça que moi j'ai appris à préparer. Poser des questions, on est là, on est là, on est là, on est là, on est complexe. On est là, 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 on est là. Il y a là danger avec qui là, non? C'est ça. Il faut, si tu vois que. Ah, tu n'as pas les mains, on est au salon, on est. Mais la féroline, elle sait le faire. Et je la demande comment tu fais. Et elle m'apprend, j'apprends, je vais apprendre aujourd'hui comment on les fait.
Et je vais commencer à le faire parce que j'ai des enfants. Ils aiment bien et j'ai aussi mon mari. Il va aussi goûter. Il va déguster, nous allons déguster ensemble. Si c'est vrai ce que en fait maman Natacha dit, c'est vrai, hein, parce qu'il y a beaucoup de jeunes en fait qui font en fait genre oui je sais faire à manger, mais quand tu vas manger chez elle en fait tu vas goûter, c'est pas bon. Donc demander c'est pas mauvais, si tu sais pas faire à manger, faut demander à quelqu'un. Au moins aux approches, au moins que si tu le demandes elle va pas parler, qu'elle va éviter. Moi personnellement je savais pas faire à manger, même dans la continental alibala je savais même pas, c'est tantôt Natacha qui m'a appris aussi. Bilo Kemele, c'est elle qui m'a appris. C'est pour ça d'ailleurs que même si je viens surprise aujourd'hui, na continental, Ozadan après Dazolamba. Vous voyez? Donc c'est pour ça que demander, c'est pas mauvais. Tu choisis par contre quand Moutou est malade ou une bonne personne, ou Yemi, que quand tu vas demander. Oui, voilà, même ça. Exactement. Tout ça s'apprend, même moi au Japon, on apprend tous les jours. Tous les jours, tous les exactement, c'est ça. L'eau est beau là-bas, c'est bien, on a bien, Si tu sais que l'eau n'a pas une aile, au moins, on va le faire, on a bien, Donc Sonia, on t'a même pas caméraman. Donc Aligné même quand elle a été. Donc c'est pour ça. Vous comprenez, il y a des gens qui connaissent en fait ma tante Natacha Bayebike Azala Bongo. Elle est comme ça. Donc vous on a des gars ma BTO tante Nana notre la bisoté. Ah là ma pour y avoir concentré la bleu pour là ma sac à narrater. Donc brochette au moli à peu dans brochette, tu vois comme moli en brochette mingi la banganda. Vous mangez les brochettes sur du wabi. Sous on a pour ça fête. On a pour ça traité à mon gobasse l'eau quelque chose quoi. Tu viens chez ma tata. Ah on a belle brochette pour moi. Brochette à beignet. En tout cas, brochette avec des beignets. Là, franchement, c'est vraiment des gars. Comme je dis à chaque fois, l'eau, les eaux foutent, l'eau, les eaux foutent. Dieu nous fait grâce. Donc, Dieu nous fait grâce. Donc, Dieu l'a fait grâce. Donc, Dieu l'a fait grâce pour la brochette. Brochette, n'a pas béni. Franchement, c'est vraiment bien. Donc, je préparer une femme pour. Voilà. Pour l'amba nyonso. Exactement. Même si vous l'avez Parce que le diable aussi a analysé tantôt Natacha. Parce que si on dit toujours en fait que oui, je suis chrétienne, oui, toujours la Bible, la Bible, la Bible. Mais tu m'as dit que 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 tu m'as dit
ceux qui en ont bien bien prié, pendant les, après les jeunes, déjà ça se prépare. Exactement. Moi, sur mon côté, jeune, avant les jeunes, il faut te préparer, après les jeunes, il faut te préparer. C'est ça. Si vous avez eu ce que vous avez eu la gêne, la casse, vous avez eu la gêne. Vous avez eu déjà la casse, vous avez eu la gêne. On a battu bien, on a fait pour faire parce qu'il y a de gêner trop après. Exactement. Vous avez gêné beaucoup, vous avez eu la gêne. Donc, cette fois, en fait, vous avez la servante de Dieu, ou pasteur, ou prophète. Tout ça, en fait, moi, ce que je veux dire, c'est à l'aise dans le sens où l'âme. Je parle, on insiste, moi, aujourd'hui, on parle de la nourriture. Donc, exactement, que parce que Osa, maman, pasteur, Osa, frère, en fait, Osa, en fait, servant de Dieu, Osa, on parle de même ma sœur, hein, même ma sœur, ma sœur et l'église. Oui, mais on a quand même c'est pas grave. Mais tu parles de bosser ensemble, tu parles d'aller craindre Dieu et tout, etc. Non, c'est pas ça que parce que le fait qu'elle craint Dieu a aucune montée. Parce qu'à bout de moment, Satan n'a pas à la peine à ce ma mariage. Le fait qu'à ce moment-là, mon bain n'a pas de l'eau, on a besoin de fou, on a besoin de ma déce. Parce qu'aujourd'hui, tu as besoin de ma déce. Dans la maison, il y a ma déce ou mine. Au moins, ma déce ou mine. Moi, j'aime pas les ma déce, mais c'est mon mari qui a. Voilà, c'est son mari qui a en fait à l'ingra ma déce. Il y a un autre à l'âme à ma déce souvent. Dans un moment donné, parce qu'il y a des gens qui diable ça va iser au moment on appelle ah mon bagno à l'ingrabilo comme mine tant que le côté n'a pas mon tout à la mère ma déçu me fumboa ah c'est peigné à ma fin on a d'un dire comme souvent t'es à comme qui fait plus mon tout il y a un faut faire très attention ma maman il y a Sœur Féronie la fille de Dieu faut vraiment coyer ma colamba apprendre vraiment colamba coyer cola demande à quelqu'un de ton entourage. La prochaine fois, si Dieu le veut, on va faire encore une autre vidéo. Voilà, la prochaine fois. Je vais vous montrer comment saisonner les brochettes. Exactement. Que ça soit doux et bon. C'est ça. On a déjà les deux dans la suite, on a la brochette. Donc, bino pour vous, vous êtes toujours abonné sur la chaîne pour la prochaine fois. Tant que vous êtes là, vous êtes là. Alors, l'acception n'est pas une brochette pour vous, la doux et de la mou. Quand tu le manges, tu dis pas, tu tires après tes dents aussi, ça fait mal et tout ça. Et après, tu dis que la viande elle est dure. Bon, je prends un kirdan, tchac, tu vois. Mais là, alors là, c'est la manière comment on peut saisonner pour que ta viande ça soit vraiment bien doux, mou et tout. Quand tu le manges, t'es tranquille. Donc, à Rolovala Bisso. Ou bien, en fait, en gros, tu as aucun spécial, ce qu'en gros, comment on tient qui aujourd'hui. C'est une autre parole pour te dire. Natchaka bouillon, soit un équipe magie, soit équipe magie. Moi, je n'attends pas l'équipe magie. Natier, comment on appelle ça? Moutarde, Dijon. Après, Natier, vinaigrette, mouquille, pour les misères. Pour vinaigrette, c'est dans la vinaigre. Dans la viande, les misères, mouquille, viande. Dans la tchaka. En plus, c'est là, la tchaka, huile. Au secret, il y a viande, il y a quand même des faux huile. Pour huile, c'est les misères, puis souffle. Le bloc, la tchaka. Saisonné en haut. Quand tu as bien, putain, au catango, sur le sombipo, gangate baba, bakatango à partir, il y a boucherie, puis on a pas bon bakata, mélange à l'agneau, c'est ça. Ouais, c'est ça. Là, on a vie en haut. Na katinga mona longo limo misi ça mais ma foute na tika mo mukie po kamu de to na mo freza et na mo mukie na mo voilà avec des gras un peu voilà. Ouais. Et mais pas trop aussi pour ma foute un peu belle c'est pas bon pour ma santé. Donc na la kata longo na longo na misi ça pour misi ça c'est au tika mo mélangé au moins katika kamu de ma kasi exactement c'est ça qui kamu de ça ma kasi mais pour ça ma kasi c'était longo li misi ça na tika mo ma foute mukie. Après, la saisonnée, on a eu aussi une moutarde, comment on appelle ça, bouillon, qui est magique, na huile, na vinaigrette, qui est. Il y a moins. Vraiment, voilà. Voilà, voilà. Donc, maintenant, on va commencer avec les poulets mayo. Après, non, quatre matons, on a là. Après, il faut les laisser aussi longtemps, non? Il faut laisser longtemps l'assaisonnement pour le prochain. Oui, il faut laisser même une, deux heures, ça deux, dépend. Voilà, ouais. D'accord. Bah, de toute façon, la prochaine fois, tant qu'il y a une tâche, il va nous montrer. Si vous voulez ajouter du sel, il faut quand même faut goûter. Oui. Tout le monde qui est mou et qu'on quitte. Bon, si vous voulez ça, il faut que vous ayez mou. Après, il faut que vous ayez mou. Il faut que vous ayez à la fin, au Tijuana. Comme vous voulez, il faut que vous ayez mou. Il faut que vous ayez mou. Voilà, là les poulets
Donc là, on a bandit pour ça la poulet, pour ta tantine Natacha. Là, non, ça la poulet, poulet mayo. Donc poulet mayo, je vous avais pas montré la dernière fois quand j'avais fait le poulet mayo. Et comme, en fait, on commence d'abord, on prend jusqu'à les poulets comme notre sœur Natacha, elle a dit. Elle avait nettoyé, en fait, elle a nettoyé son poulet avec le vinaigre. On nettoie les poulets avec le vinaigre pour enlever les salités, tout ça, bah, gras, etc. Au cas où tu as poil, tu enlèves les poils. Et après, au zik sango boye na barbecue comme je vais le mettre dans le retourner en haut à chaque fois d'abord le bâton sert féroline et n'a pas attendu ça là non c'est ma tante d'accord on va on est naïe n'a pas attendu comme t'as comme là maintenant c'est ma tante c'est ma tata donc voilà donc tout ça la télé a été naïe n'a pas donc on a mon père dans le bin non mais pourquoi pas je vais faire avec elle direct on va faire pour les maillots donc il y a pas au là maillot à ça les brochettes. Asali m'a dit souvent dans le poulet mayo. Elle avait déjà vu quand j'ai fait le poulet mayo sur ma chaîne YouTube. Mais manière dans ça aujourd'hui, c'est que je ne l'ai pas encore mis sur la chaîne YouTube. Donc, il y a un dans ça là. Donc, poulet nabisso au salon, jusqu'au grillant, comme ça, on a barbecue, nabisso vite fait, motezoie. Après, on va les sortir, on va commencer à les couper et on va mettre nos ingrédients, tout ça, etc. Donc, voilà. Et quand tu Natacha, après, on va aller baigner encore, non? Ouais, je sais. Donc, baigner aussi, on va l'accessoire, on va ça la baigner. Moi, aujourd'hui, non, je vais aller baigner dans le Yéba. Donc, on va apprendre vraiment aujourd'hui beaucoup. Si on a serre, on va l'accessoire, on va l'accessoire. Si on a tante, on va l'accessoire. Comme moi, je l'ai fait. Donc, du coup, aujourd'hui, non, je vais aller baigner. Dans le Yéba, on va baigner encore, on va baigner. Et ça, là, on va genre bien, vraiment doux. On va baigner, parce que quand tu manges, c'est vraiment dur. Tu vois, c'est dur. Mais là, elle, quand elle fait les bébés, franchement, c'est doux. Donc, je dis ça parce que c'est ma tata, parce que je mange aussi souvent, donc je sais comment elle fait. Donc voilà. Donc, les beignets, la bisseau, elle va nous faire les beignets. Donc, elle va nous expliquer ce qu'elle va mettre dedans, dans les beignets. Et moi, là, on a toujours la banane, on a poulet, on a toujours. Et on a beignet, là. Donc, voilà. La farine, je vais mettre un peu de sel. Commence. Les goûts, hein. Je vais mettre un peu de sel. Là, j'ai laissé le vanillé. Je vais mettre, là, ça dépend. Vous pouvez mettre deux ou trois comme vous voulez. Dans ma bête, quand c'est belé, ça ne dérange pas. Je vais mettre quatre. Et ça, c'est bon. Là, moi, je mets tout en même temps. Je mets du sucre, du sel et les sucres vanillés. Là, c'est bon. Et après, moi je fais avec de l'eau tiède. Je vais mélanger. J'ai tout mélangé du sucre, du sucre vanillé, la farine. Là, je vais mettre un peu de l'eau tiède que j'ai chauffée avec moi. Là, je vais mettre un peu d'eau. De l'eau parce qu'il n'y a pas assez. Bon, aujourd'hui, tout là, ma blog est bêlé. Donc, il y a beignet, il y a brochette, il y a poulet mayo, il y a madessou. Donc, franchement, tout le monde est bêlé des gars. L'Hollandais au foot. Donc, au moins, la dingue est en train d'attacher. C'est la pseudo pâte à beignet. Que ça soit vraiment. Non, tu mets pas des œufs, il y a des gens qui jouent. Non, moi je n'ai pas. Oui, vous pouvez mettre aussi des œufs, mais moi je. Mais là, ça va pas faire les gars. Là, c'est pour c'est le beignet nature en fait. D'accord. Okay. Là, tu fais juste les beignets nature là. Oui, oui. D'accord. Thank you.
na sali lever ya wa boule wana lokwe za kina conducteur tiens la maille pour et fondre parce que là je vais mettre la levure là mais je pense qu'il y a beaucoup d'eau je vois. Et pourquoi toi tu le prépares avec, tu le tournes la pâte avec voilà je pâte. Préfère parce que bon tu peux faire aussi avec la main oui. Mais pour que j'aille vite parce qu'il est déjà c'est mieux en fait avec les pâtes là c'est plus rapide mais je trouve que c'est mieux aussi hein, c'est plus hygiénique en fait voilà. C'est plus propre aussi comme ça. Parce que quand on le touche avec les mains, avec nos ongles et tout, ça fait un peu sale. C'est un peu lourd. Les hommes, la tête, on s'est fait deux fois, trois fois. Pas de la yomba, mon corps. Et ça, il est comme un peu caoutchouc, élastique. C'est bon, là j'ai fait qu'un paquet. J'ai fait un paquet. Je pense que c'est bien. J'ai bien ma pâte. Donc là tu vas mettre la pâte à. Là, je vais laisser reposer au moins une heure. Ça dépend aussi de la température de la maison. S'il fait chaud, ça gonfle un peu plus vite. Là je pense que c'est bon. Là, c'est bon. C'est bon, je vais mettre juste le. Donc on va les reposer en fait là pendant une heure ou bien deux heures à peu près. Je prends une, deux heures c'est beaucoup. Deux heures c'est beaucoup. Comme il n'y a pas beaucoup de farine, je pense une heure. Ça. Une heure. Ça suffit. D'accord, j'ai fini là. Voilà, là je vais commencer à couper mon poulet. Donc poulet mayo c'est comme ça. Donc poulet au monnaie qui toque au boyé. Ça donne même envie de manger tel qu'il est, comme ça. Mais. Mon poulet, quand tu l'as grillé, comme ça, on va commencer à couper. Tu le coupes les poulets normal comme on les coupe, comme d'habitude quand on fait les poulets à la maison. Voilà, là, c'est ça, je suis en train de couper toujours le poulet mayo. Donc aujourd'hui, poulet mayo n'a tout mis en haut. Vous avez vu aujourd'hui, donc j'ai coupé, là je suis en train de couper. Donc je coupe vraiment les morceaux petits. Voilà. Chadrac. Ouais. Bon là, les poulets ils sont là. Vous avez vu comment j'ai coupé les poulets. Dans les poulets on commence vraiment. Vous avez vu comment je les coupé. Là il y a l'os là, les os là vous pourrez ou les jeter ou les garder. Donc vous pourrez même les garder ou les jeter. Donc comme bolingi kaka au poulet mayo. Donc je suis en train de le faire le poulet mayo pour ma tante. Donc là mais les poulets mayo. Donc il y a moi un apé dans ça là. Donc pour notre poulet mayo, on a besoin de avoir de la mayonnaise, et on a besoin d'avoir le poivron vert et le kibbe en poudre. Là je vais pas mettre tout ça, je vais mettre un peu et on a besoin d'avoir tout ça. Vous voyez là, je vais tout écrire. Vous allez voir, il y a les oignons, ail, muscade et voilà tout ça on va le mettre et je vous dis à tout à l'heure. Donc ma soeur, montre-le bien ma soeur Josepha. Vous appelez l'ingénieur Nabisso, papa junior. Vous appelez l'ingénieur Nabisso, le frère Jade aussi. Donc vous avez ébélé aujourd'hui. Vous allez nous voir tout à l'heure. Si Dieu nous permet, vous allez nous voir en Borolia. Tolia Losso, Madesu. Et toi, d'abord, ébélé, mes sœurs. Toi, d'abord, ébélé. Donc, maman, Natacha, la tiki, les soins, a un conseil encore à donner encore au peuple de Dieu. Donc, comprenez, en fait, maman Natacha, elle est un peu timide. Donc, on est avec les enfants. Hein. Donc, prenez vite fait les enfants. Faites coucou. Coucou. Allons-y pour abonnez-vous. Abonnez-vous la chaîne YouTube. Féronine. La vie Dieu. Ah, voilà, ça c'est super. Vous avez vu les enfants et la famille. Bah, yébi, bah, l'oba, boum. Donc quand on le dit, l'Hollandais au foot a toutes les grâces. Zamba malamu, Zamba bien. Dieu nous bénit. Dieu nous bénit. Voilà. Voilà, c'est ça. Mon meilleur ami. Son nom c'est Jésus. J'avais qu'à l'enjeu. Son nom c'est Jésus. J'avais qu'est-ce qu'il y a? Il est mon meilleur ami. T'as mal? T'as mal au bras, t'as mal. Ici là, t'as mal. Yahweh, tu te
impossible d'en parler. Personne ne pouvait les comprendre. Tout qui a témoigné à la radio, c'est dit à la famille. Jésus, mon meilleur ami. Jésus, mon meilleur ami. Maintenant, je vais commencer à mettre mon poulet dans les casseroles. Jésus mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, hey, mon meilleur ami. Donc là, muscade, c'est ça? Oui. Vous écrasez muscade, donc là. En train d'écraser muscade comme au bled, hein, comme au bled, en train d'écraser. On va les rincer. Donc voilà, là les oignons ils sont là, donc en train de mettre les oignons, en train de mélanger nos oignons dedans. Donc en train de mélanger nos oignons ici, en train de mettre les oignons dedans, en train d'écraser. Donc faut pas écraser, pas beaucoup, hein, l'important c'est juste toujours tout en haut caca. Après tout mélanger, on a 4 si à poulet la biso mayo. Donc au moins tout tout comme en Afrique, hein. Et oignon pesa la biso passe. Et donc voilà, je suis en train d'écraser. Donc j'ai tout mélangé, hein. La tête matungulu, muscade, cube. J'ai mis quoi encore? Tout ce que je vous avais montré à, au début, ail et tout ça. Donc, je suis en train de le craser, craser, craser. Pour mon libo, il y a Afrique, vraiment. Il y a un mot. Donc, c'est Féroline, on n'a pas. C'est la biso, maman Natacha. Donc, non, c'est les poulets mayo. Donc, on est en train de l'écraser pour moi. Ma sœur, prends-les bien pour moi, maman. Comment toujours craser? Comme on bled. Donc voilà, la poulet, la musso, on va juste retourner le jus de poulet. Donc ça sort un peu de l'eau, hein. Ça sort de l'eau, vous avez vu, il y a du jus là, il y a du jus de poulet. Ça sort, franchement, ça sent bon. Et maintenant, je vais, là, non, ça va venir comme au bled là. Voilà, et maintenant, tout ce que j'ai écrasé, mes épices, je vais commencer à le mettre dedans. Vous voyez, je mets dedans des épices. Voilà, après on va les rincer. Et je vais prendre notre cube un peu. Voilà, vous ne mettez pas de sel, hein. Si vous mettez des cubes comme ça, des jumbo là, vous n'avez pas besoin de mettre du sel. Donc vous mettez simplement ça. Voilà pour le poulet mayo. En tout cas, c'est bon et on va mélanger, on va laisser un peu. Voilà, maintenant on commence à mettre. Vous comprenez que Zana, pour ça la télé réalité la biso, tout ça la confinement, c'est confinement on peut faciliter. Mais là, il y a quand même des questions de facilité. Donc il y a des pays en fait qui ont continué, non, tanti Natacha. Dans le pays, vous souvenez, vous continuez. Continuer, mais tout, on peut bien faire. Ouais, c'est pas encore vraiment complètement terminé. Voilà. Je mets un peu et après on va laisser le poulet. Voilà le poulet mayo. Donc le poulet mayo yangoyo. Donc maintenant je vais couper le poivron vert. Donc je vais le couper et après je vais mélanger. Après on va mettre la mayonnaise. Donc voilà pour le poulet. Et madesu nabiso yangoyo. On avait montré les madesu et belaki déjà. Et il y a béni aussi bientôt. On va préparer. Il y a du riz aussi. Il y a du riz, donc le du riz en goyo, tout ce qu'on a du riz na biso et tout ce lamba. Donc, tu relèves bilo que belé aujourd'hui. Donc, voilà, à tout à l'heure. Je vais renverser le poivron vert. Voilà, et je vais mettre, je vais laisser encore 5 minutes au feu. Et après, je vais mettre la mayonnaise. On va mettre mayonnaise.
Donc voilà, on a mélangé la mayo. Donc là, on va laisser au moins 5 minutes encore. Et après, c'est terminé, on va mettre au four. Donc là, on est en train de chauffer les pizzas. Donc on a pana, pana on va dire pizza. Voilà. Donc voilà, c'est terminé notre poulet mayo. Là, on va commencer à le mettre avec notre papier alu. Et on va mettre au four. Ça sent déjà bon le poulet mayo. Hein? C'est Natacha. Au moins, on dénime poulet mayo. Là, j'ai appris parce qu'avant, je ne savais pas comment le faire. Oui. Là, je sais maintenant comment le faire. Oui. La prochaine fois, je le ferai. D'accord, voilà. Donc, il y a qu'il est simple. Hein? C'était vraiment simple, non? C'était simple. Là. Donc, voilà. Là, on va commencer à faire notre poulet mayo. On va les mettre ensemble. On va les mettre là dedans et on va laisser au four. Donc aussi Natacha, viens là, on va nous faire la beignet. Tu veux commencer à faire le beignet, non? Oui, c'est bon là, c'est parti. Bon, j'ai vu. Ça sent déjà bon le poulet mayo là. Wow. Regarde comment c'est bon le poulet mayo. Donc là, je l'ai fait autrement. Je l'ai fait autrement. Vous avez vu la dernière fois quand j'ai fait sur ma chaîne YouTube. J'avais fait en fait, j'avais grillé d'abord, j'avais grillé aussi le, c'était quoi, j'avais grillé les oignons et en fait le poivron vert, j'avais grillé ça dans la poêle, après on a dit qu'on renverserait sur le poulet. Mais aujourd'hui, on a quatre poulets sur mayo, et après on a dit qu'on tire sur le feu et les savons vont manquer, là on a quatre four. Donc je ne me suis pas trompée des mamans, hein. Donc je ne me suis pas trompée, là c'est une autre façon que j'essayais de faire encore aujourd'hui avec notre maman Natacha. Donc là je vais renverser les poulets directement, vous avez vu, voilà, franchement ça sent bon poulet mayo, voilà, et là on va les mettre au four. Donc, on est en train de le faire et maman Natacha a sur la balamon. C'est comme ça, maman Natacha. Nanda, pourquoi on ne va pas à la peu bouée, non? C'est un peu ce tonnerre de la moussa. C'est ça. Et là, il a dit sous la balamon. Ça, il te la balamon. C'est ça. Donc, on vous a vraiment montré là, on est fatigué, fatigué. C'est mieux d'aller aussi si maman s'occupe. Je facilite le tâche tant que l'âme, quand on l'a vu. Peut-être que tu n'as pas un peu qui fait mal, on a vu ça, on a vu ça, on a vu ça, on a vu ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ça, la montre, le monde est comme des là, faut comme ça, on a déjà des lundis sur moi. Ah, là, ça, 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 mais tant que ça, la maman, l'autre, c'est là. C'est bien. Voilà, moi, je vais rajouter encore une couche, encore, je vais rajouter une couche de papier à l'huile. Et on va le mettre au four directement. On va attendre au moins, on va laisser au moins 20 minutes encore au four. Et après notre poulet, et vous allez après. Ok, voilà pour les poulets mayo. Et maintenant, on va mettre au four. Voilà, là, on va mettre la dedans. On va les poser comme ça. Voilà, maintenant on va laisser 20 minutes les mamans et après pour les sauce mayo on va manger. Donc on dit à tout à l'heure. Donc n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Féroline, la fille de Dieu TV. Donc aujourd'hui je suis accompagnée avec maman Natacha. Hein? Aujourd'hui moi avec maman Natacha. Yéwana, Nayeki Kananda, vous êtes pour moi à l'Oba. Donc pas ça la peau. Elle vraiment elle est un peu timide, elle n'aime pas trop parler. Mais j'ai forcé, je lui ai dit maman Natacha, l'élo Togosana, c'est la réalité vraiment. Pas tout le monde a dit maman Natacha, la makapoulé naye. Donc elle a pris en plus aujourd'hui dans la même poulet mayo. Donc elle a même soupé ma dessous, il y a maman. Et elle a même soupé sous brochette. Elle a même soupé beignet du riz. Donc Togolia Penza Dega aujourd'hui, Bananzambe. Donc
Donc vraiment, ils allaient vraiment l'Olandais, ma Cameroun, la Tiki. Maman Natacha, ce qu'on a quelque chose pour le voir. Donc, Colobi, à tout à l'heure. Je vais commencer, je vais d'abord laver mes mains. Après, je vais commencer. Je commence. D'habitude, moi, je utilise la maille, non? Pour qu'elle a la forme, qu'elle a la forme bien. Là, je vais commencer. Là. Et je pense que... C'est chaud déjà, non? Oui, c'est pas là, je vois... D'accord, ok. Donc vous avez vu les techniques, hein? Donc il faut faire un mot de matin. Après vous dites même que parce que ben ma foot est chauffée bien, tu écoutes ma foot, c'est pas bon. D'accord. Il est chauffé, sur le chauffage après, sur bandeau bois quand on peut zikater, vous dites même mot, mais il faut monter. Ça dit pour en fait monter à ma casse. Donc quand tu jettes le beignet, et matin pas la mort. Donc vous comprenez ma technique, il y a mon rapier déjà appris aussi. Je savais pas. Donc, le temps il va faire des oeufs, mais là, comment on peut dire? Ah, ok, d'accord. Ouais, là, on va attendre un peu parce que là, c'est pas bien chaud. D'accord. Ok. C'est bon, les oeufs. Là, et voilà, vous voyez la différence. Ouais, là, on voit ça. Là, vous voyez, donc, matamba, moi, quand vous voyez que mon foot est chauffé. Waouh, ouais. Bon. Ouais, c'est vrai. Ah, oh, ouais, d'accord. Ouais. Les eaux matambala, montons au boaka et mati. Et mati, ça veut dire que ma foot a chauffé bien. Chauffé bien. D'accord. C'est-à-dire que quitter ou mener la C, les eaux pour ta foot a déjà, c'est pas bon, donc du coup, baignons les ambientés. Ok. Et là, au fur et à mesure, tu auras oublié un peu, monte, sur ton monde. D'accord, donc comme c'était 3 lettres, je laisse encore un peu. Tout le monde va dans le chien, comme on vous dit, il faut faire bien la paix, il faut l'équipement un peu moins. Mais quand tu me fais arriver, et dit qu'il m'a pas de bébé parce que mon dos est qui m'a cassé. Ouais. Je vous avais dit, on a eu pour eux, ça a raté pour un bout des arapopes. Waouh, franchement, on va baigner où aux arasombres, tout au monde, à tout au lia. Hé, on a fait d'aller l'eau. Non, on va mouner aujourd'hui. Mouner aujourd'hui. Donc on y a aujourd'hui vraiment des gars pas malam zama bien, Dieu nous bénit. Donc les loups pensent à la qui quand la surprise côté à maman la biseau, maman Natacha la mais la biseau. Donc à la biblio que bénit, ton lien est béni. Et bon monde en est à la table, biseau nous tout le monde en famille, tout prier. Donc on va remercier quand même Dieu, il nous a fait grâce tout coûte aujourd'hui en famille. Surtout après deux mois, ça fait longtemps aussi. Malgré tout soit en téléphone, mais ça fait quand même longtemps qu'on ne s'est pas vu. Donc l'autre temps, ma sœur grâce, il y a bien la famille, la maille. Il y a Papa Junior Azali. Donc, bon, tout le monde, Papa Junior Azali, Papa Junior Azali. Hein, sœur Immaculée, je te dis salut, salut, maman, la maille. Ah, le loco monica la tête, non, il n'y a pas de naïo. Donc, il peut préparer ça. Au moins, il y a la scène naïo. Donc, ça veut dire, je suis là. Donc, sœur Bobby, là aussi, salut, salut, la Belgique. Et sœur aussi, Mima, la Suisse. Hein, maman, Mima, la Suisse. Salut, salut. T'as la peut-être au coma la Suisse, yo peux aussi la biseau vidéo. Donc voilà. Donc on a dit que maman Natacha, à zone de ma baignée, ta baignée, on est gazé. Oh, pas ma baignée, donc t'as Afrique, vraiment, il y a Congo, vraiment. Je vais un peu tourner, la dîner, mon tour, la mamie. Je peux nous cramer un peu, c'est ça? Cramer un peu, c'est ça? Doré. Ah, ok. Hey! Mais il va te voir au monde, on va baigner, oh, bon, maintenant, on va manger ça. Ça dépend aussi, hein, bah, tu vas pas nous dire mais là, on va brûler. Et la couleur dorée en peu. Okay. Oui. Donc là, tu vas commencer, tu vas le mettre ici. Là, je vais mettre ici pour le quoi, ils ont ma foutre. Là, tu sais, papier, son palais, on va pouvoir absorber l'huile. Après, je vais mettre dans les plateaux. Ok, d'accord. Donc, on met d'abord ici, après, on va le renverser là-bas jusqu'à pour absorber l'huile en fait. D'accord. Mais franchement, la couleur, moi je trouve la couleur dorée, ah, c'est mieux parce que c'est pas c'est cramé. Bien, voilà. C'est bien en fait. Pour ça, en dehors, il faut que ce soit qui monte et qui m'a cassé pour diminuer mon dos. Pour hésiter. Donc, pâte la biseau, c'est ça aussi. Hein. Ah, oui, là, ça, on a pâte, pas trop mou, mais boué. Oui. Pour me casser,
misunité et pas une carte misunité. D'accord. On a salé un peu de bonbon et un amour. D'accord. Tant autant on a pourquoi les vues réservent à boulanger. Il y a ma part, il y a un peu élastique. Ok. On est salé à qui et dans la roma et mina ma fille d'accord. Maman Natacha au cœur parce que ce beignet on dengue bimbi na quatre. Ouais. La fongoli. Oui. Voilà. Donc les appendices légers en plus si c'est très bon. Franchement. C'est bon. Franchement ouais. Les appendices bien boy beignet boy. Et bénir la biche en retour à souka donc ton bannet d'acolia colia à bénir en haut donc et ce qu'il coûte de donc sucre et l'équipe n'a bien Voilà, 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 ça y est, on a terminé. Il y a poulet mayo. Donc voilà, madessou nabisso et brochette nabisso. Bon appétit à nous. Tous les élatos, les canaux à table. C'est moule. Il y a là, la c'est moule. Il y a du jus. Donc voilà. Voilà, 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 mes frères et sœurs. Donc là, on arrive à la fin de notre vidéo. Donc j'étais chez mon oncle, mon frère Gérard, chez lui, donc avec sa femme Natacha. Donc notre vidéo maintenant c'est terminé. Je vous dis merci, merci de vous abonner sur ma chaîne YouTube, de partager pour la gloire de notre Seigneur. Donc c'était en direct. Franchement, j'avais fait quelque chose en télé-réalité. Je suis venue chez lui pour qu'il me fasse quand même à manger. Donc il ne savait pas. Donc on m'a vu directement en bas de chez eux. Donc il nous a préparé des brochettes, il nous a préparé des beignets, il nous a préparé des haricots, il nous a préparé le... Moi j'ai préparé les poulets mayo pour montrer aussi à ma belle-sœur, ma tante, comment on fait le poulet mayo. Donc voilà, c'est ça. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, likez, faites vos pouces, mettez vos commentaires tout en bas. Que Dieu vous bénisse. C'était votre servante de Dieu, la sœur Féroli, la fille de Dieu. À bientôt, au revoir, shalom, shalom. À bientôt, ciao.